à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, en tout cas pour cette fabuleuse émission où je vais vous faire découvrir un auteur et médium absolument formidable qu'est Nicolas Touvenot. Pour son premier livre, Et puis un jour, j'ai enfin compris une petite pépite et sans plus attendre, je vous le fais découvrir. Bonjour. Bonsoir Nicolas. À tous. Salut Julie. Bonsoir à tous. Je suis super ravie de participer à cette émission. C'est ma première et d'autant plus avec toi. C'est un grand, grand, grand honneur. En tout cas, j'espère que vous allez être nombreux et que ce moment avec moi, avec nous en tout cas, va vous plaire énormément. Eh bien, en tout cas, merci, merci infiniment à toi, Nicolas, d'avoir accepté cette invitation parce que ça me tenait vraiment beaucoup à cœur parce que j'ai vraiment adoré ton livre. Pour moi, c'est une petite pépite et je voulais véritablement vous le faire découvrir. Alors, ce soir, surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous, à nous poser des questions. C'est une émission conviviale. On va se poser des questions, on va aussi découvrir le livre, mais avant tout, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que toutes les personnes qui participent à cette émission te découvrent, Nicolas. Dis-nous qui tu es, en fait. Voilà, parle-nous un peu de toi. Alors, je suis Nicolas Touvenot, je suis médium énergéticien, maintenant auteur et conférencier. J'ai fait, il y a 6 ans, j'ai eu un accident de vie, comme beaucoup. Alors, c'est moi qui étais touché par cet accident de vie et qui a permis de pouvoir prendre conscience de mes facultés médiumniques qui étaient un peu endormies, que j'avais un peu mis de côté. En fait, j'avais ça à laisser un petit peu sur le côté de ma vie, un peu comme un amnésique. C'est un peu la sensation que j'ai eue. C'est retrouver tout ça et d'écrire. Et puis un jour, j'ai enfin compris, m'a permis de me reconnecter totalement à ce que je suis, à ce que j'ai pu vivre et l'envie de partager, en fait, par cette expérience, aussi le moment de solitude que j'ai pu avoir. Parce que quand on est issu d'une famille où... on a une maman qui est très, très catholique et qui a du mal de croire, qui croit en l'au-delà, mais pas comme nous, on l'entend dans notre domaine. Et un papa qui a de religion blasphémateur, donc qui ne croit en rien. C'est un peu compliqué de se construire dans tout ça et de trouver sa place. Et je me suis dit que je n'étais pas un cas isolé et que si mon expérience pouvait venir en aide aux autres, il était temps de la relater et puis aussi expliquer un petit peu... ma façon d'être et être moi. Voilà. En tout cas, les personnes qui lisent mon livre retrouvent exactement ce que je suis. C'est vraiment très souvent ce qui en ressort. Les clients du cabinet qui ont pu les lire, les gens qui me connaissent ou qui me connaissent moins, mais qui ont pu me découvrir avec le temps, me retrouvent énormément. En tout cas, c'est moi, le plus que je puis dire. Alors, donc toi, tu es donc médium sur Toulouse. Tu as ton cabinet qui est Lumière de Vie. Voilà, donc tu participes à énormément de conférences, justement, où tu exploites ces capacités, mais à merveille et divinement bien au service de l'invisible. Merci. Voilà, merci à toi en tout cas de transmettre à chaque fois ces beaux messages. Voilà, tu participes aussi régulièrement donc au salon du bien-être qui se passe à l'espace Diagora, où là aussi tu as donné voilà, à Toulouse la Beige. Donc, surtout, n'hésitez pas. En tout cas, tout à l'heure, je vous donnerai les liens pour contacter, en tout cas, Nicolas, lien que vous allez pouvoir retrouver aussi dans son livre, sur la dernière page de son livre. Livre que vous pouvez bien sûr acheter sur le site Lumière de Vie qui a été mis en lien, en commentaire dans l'émission. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous le redonnerai. Donc voilà, on va passer un petit peu dans le vif du sujet, en tout cas, de ce livre qui, n'oublions pas, est une biographie. Mais pour moi, ce n'est pas une biographie comme les autres, parce que dans ton livre, il y a plusieurs parties qui sont composées en fait de plusieurs chapitres, en fait. Exactement, avec laquelle on a joué sur les symboles. En fait, on a mis des symboles à chaque partie pour justement créer une interaction avec le public. Que si jamais quelqu'un souhaite venir à moi lors des conférences, tu parlais tout à l'heure de conférences, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir intégré Source de Vie Toulouse. Voilà, par exemple, tu nous montres la serrure, qui est la deuxième partie, si je ne m'abuse, de mon livre.
La première. La première. Oui, en effet, c'est vrai. Très mauvais élève. J'avoue, j'ai mis tellement de temps, je l'ai tellement relu que j'ai fini un peu par le mettre de côté. Je laisse un petit peu les gens revenir vers moi. Et donc, oui, j'ai la chance d'avoir intégré Source de Vie Toulouse, qui est l'association française, l'une des associations françaises les plus connues et reconnues pour leur gage de qualité des médiums qui font intervenir et de leurs conférences, ainsi que leur grand congrès annuel. Et c'est vrai que ça a été une chance incroyable pour moi de pouvoir me connecter aux gens et faire découvrir mon livre. Et comme tu le disais, ben, les différentes parties en écrivant le livre étaient intéressantes. Je voulais vraiment qu'on comprenne ben, ce que j'étais à la racine, comment je suis né, comment j'ai grandi, dans quel climat j'ai évolué en tant que enfant pour devenir l'adulte. Ensuite, bah, je parle de ce que j'appelle mon pré-éveil, qui a été les prémices quand j'étais adolescent, où pareil, il y a eu des événements où ça s'est coupé. Et il y a eu quasiment presque 10 ans, plus de 10 ans, où rien s'est passé, entre guillemets. Et puis, bah, c'est revenu à moi, donc ce que j'appelle mon éveil. Et puis, bah, après mon éveil, on a abordé bah, tout mon apprentissage, tout le temps que ça m'a pris aussi pour gérer ces facultés. Très souvent, je trouve que dans les livres qui racontent un petit peu le parcours et le chemin de vie de nombreux médiums, on a l'impression que ça se passe super facilement, que c'est très fluide, que voilà, il y a une prise de conscience et d'un coup, tout le monde maîtrise tout. Bah, moi, ça n'a pas été mon cas. Il a fallu du temps. J'ai beaucoup rationalisé. J'étais quelqu'un de très cartésien sur plein de choses, puis très sceptique aussi face à ce que je pouvais ressentir, me poser des questions et ça me semblait essentiel bah, de pouvoir communiquer ça. De pouvoir justement transmettre aux gens bah, qu'on peut avoir une part de doute et que ce doute, il est normal. Et j'ai même envie de dire qu'il est nécessaire pour pouvoir faire de nous des thérapeutes vraiment alignés et connectés correctement. Bien et sûr. Bah, ensuite, il a été important pour moi bah, de montrer les événements marquants que j'ai vécu au cabinet. Et puis surtout, ne pas oublier que quand on ferme la porte de nos cabinets, quand on éteint le téléphone, bah, on reste quand même tout de même médium et qu'on bah, peut avoir des complications, on peut avoir... aussi des manifestations dans notre vie privée, dont j'en ai glissé quelques-unes qui sont parfois épiques. Mais Alors, moi, ce que je trouve super qui ne ressemble pas à toutes ces biographies que l'on peut trouver, parce que bon, il faut quand même se dire que les trois quarts des biographies qui sont données pour les médiums, c'est extrêmement linéaire, c'est même lassant dans la continuité du livre. Et là, en fait, ce sont des bouts d'histoire. Donc, en fait, on n'a pas le temps de se lasser parce que, en fait, c'est pas linéaire. Il y a beaucoup de rebondissements. Hein, à chaque chapitre, ce sont un petit peu le principe des micro-histoires. Et c'est ça que je trouve super, moi, c'est cet aspect-là, parce que c'est pas linéaire, on s'ennuie pas. En même temps, on peut terminer une histoire, on peut très bien poser son livre et le reprendre une autre histoire, le cheminer comme ça. On ne perd pas le fil, en fait. On ne peut pas perdre le fil de ce livre, puisque vraiment, voilà, c'est des petits bouts. Alors, je compare ça, mais c'est pas comparable. Mais si tu veux, moi, j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune le livre de Pierre Belmar qui racontait plusieurs histoires. Oui, oui. Voilà. Et donc, si tu veux, moi, dans ton ouvrage, en fait, c'est voilà, ces petits bouts, petites histoires qui à chaque fois sont pleines de rebondissements, d'authenticité aussi dans ton phrasé. Moi, ce que je trouve intéressant. Et chez toi, c'est que tu n'es pas un médium qui te prend la tête ou qui a un phrasé trop compliqué ou qui va chercher des savoirs. C'est très authentique. On sent véritablement qu'il y a une vibration du cœur, quoi, vraiment, dans ce livre. Hein. Je pense, pour moi, il est essentiel d'être dans cette communication-là. Il est important que ce que je voulais, et d'ailleurs, c'est ce qui se vérifie parce que c'est le retour que j'en ai, et c'est ça qui est incroyable, c'est que je veux bah, que quelqu'un qui soit très littéraire s'y retrouve et ne s'ennuie pas, mais aussi quelqu'un qui n'aime pas forcément lire, qui a la curiosité et envie d'aller au bout. Et c'est le retour que j'ai. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, un monsieur est venu me voir, un monsieur qui doit être à la retraite ou proche de la retraite en tout cas, qui me confie que je suis son premier livre depuis qu'il est devenu adulte, qu'il a lu de part en part. Il m'explique qu'à d'habitude, il ne lit que des BD et que là, il a pris mon livre et il a pris plaisir à le lire de part en part. Si tu savais le nombre de personnes, si vous saviez, excusez-moi, je ne veux pas vous isoler, mais si vous saviez le nombre de personnes qui viennent à moi en me disant bah, « mais j'ai lu votre livre, je l'ai dévoré, je l'ai lu en une nuit, je l'ai lu en une après-midi, je l'ai eu… » C'est incroyable, incroyable.
Parce que il y a une espèce de notion. Bonjour à tous, je vois que ça parle un peu à côté. Bonjour, je ne veux pas vous oublier. Oui. Je suis très spontanée, hein, vous verrez, je suis naturellement très spontanée. Et donc, oui, bah, c'était important. C'était important de faire quelque chose de pas pompeux, parce que bah, pour moi, on n'a pas à être pompeux. C'est pour ça que très souvent, les gens ne comprennent pas quand je leur réponds en disant bah, « Écoutez, arrêtez de me féliciter, arrêtez de dire qu'on est des êtres extraordinaires. On est juste des radios. Voilà, on est juste des radios qui émettent les messages qu'on perçoit et qu'on doit vous transmettre. Alors maintenant, oui, on peut jouer sous le détail qu'il y a différents styles de radio, mais on est tous nécessaires. J'explique toujours que le médium parisien qui a une grande porte est très important, mais comme la petite mamie qui va taper du carton, comme on dit vulgairement, sur le coin de table de cuisine en attendant que les confitures reposent, elle sera aussi importante. L'immédiumnité, en fait, c'est quelque chose qui est toujours intéressant auprès de chacun. Moi, je sais que pour mes propres questions, j'interviens toujours auprès de mes confrères, de mes consoeurs en qui j'ai entièrement confiance, qui deviennent mes amis, comme toi, par exemple. Ou j'ai vraiment... Tu vois, on te dit, ne perds pas ton fil, tu diras au revoir. Oui, mais merci Christine. En plus, c'est Christine Lamour est quelqu'un d'extraordinaire que j'aime profondément, quelqu'un que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Congrès Source de Vie. Je suis désolée, je suis une aparté, mais bisous et merci de cette bienveillance. C'est un peu, tu sais, cette maman de cœur, cette maman qui va prendre tout le monde sous son aile. C'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'estime et que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Pardon, je reviens donc, je me recentre. Je reprends le fil de ce que je disais. donc, je disais qu'il est hyper essentiel, de reprendre les choses. Il est essentiel de bien comprendre que nous sommes juste là pour transmettre des messages et venir en aide aux gens. Et pas faire de nous des espèces de divinités, de personnes un peu particulières, un peu intouchables. Ça, ça ne fait pas partie... En tout cas, ce n'est pas ma vision. Après, chacun voit midi à sa porte et je ne juge personne et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais oui, en effet, moi, j'ai voulu présenter quelque chose et que les gens aient l'impression que je sois à côté d'eux et que je leur raconte mon histoire et pas l'impression que ce soit impersonnel sans non plus rentrer dans du sordide ou dans du vicieux de ma vie qui est privée et qui est personnelle. Voilà. Donc, tant mieux. C'est vrai que j'avais vraiment l'impression à chaque fois que c'était toi qui me racontais en fait tes expériences. Hein. Donc là, on a un petit commentaire aussi de Domino 33 Sanchez, donc Lisa, voilà, qui dit « J'ai adoré le livre, merci beaucoup ». Merci moi, Lisa, j'espère que vous allez bien. Je me souviens de cette dame, une dame incroyable, sa maman… était une dame anglaise, très années 70, très moderne, 60-70, vraiment ce côté. Ouais. Bonjour Lisa, bonjour. Mais ce qui est intéressant aussi avec ton livre, c'est que pour ces personnes qui ont une médiumnité qui débute, hein, ou qui n'est pas maîtrisée. Je ne pourrais pas dire qui débute, mais qui n'est pas maîtrisée, tu viens quand même réconforter, apporter une forme de douceur dans un effet miroir un petit peu hein, d'un vécu, de ce qu'on peut vivre au quotidien hein, dans ce que tu livres. Hein, de se dire que peu importe ce qui se passe hein, dans cet éveil, dans ce qui va se passer après pour le après, tout est juste et il faut simplement se laisser guider un petit peu par l'invisible. Donc là, au niveau de moi, je trouve que tu as un avant-propos vraiment qui est très pertinent et qui met beaucoup l'eau à la bouche. Hein, vraiment. Et puis, je trouve que le livre est formidablement bien construit. D'ailleurs, je vous dis, c'est ma pépite. Donc, vous avez un avant-propos qui est quand même très, très fourni. Moi, je trouve qu'il est très pertinent et c'est quelque chose qui vient mettre de l'eau à la bouche. Moi je dirais, là, pour mettre aussi un petit peu l'eau à la bouche, parle-nous de ta connexion avec l'invisible. En fait, cette connexion, pour moi, elle est devenue très fluide. Pendant très longtemps, j'ai essayé de maîtriser, j'ai essayé de comprendre. C'est quelque chose qui est devenu... quasiment instantané. Pour être très honnête, l'écriture de ce livre, on me l'a vraiment soufflé.
D'ailleurs, je le dis dans l'avant-propos, c'est ce que j'utilise. On me l'a vraiment soufflé, on a vraiment poussé. L'univers a vraiment poussé pour que ce livre soit écrit. Bah, peut-être parce que, comme tu le dis si bien, peut-être que je sors un peu du sentier battu, du livre, du médium de base. Et très souvent, tout au long de ma vie, je me laisse vachement porter par ce qui m'est dit. Avec le recul, avec le temps, on nous a élevés. Moi, en tout cas, j'ai été élevé dans le principe qu'il fallait surtout écouter son cœur, ne pas écouter son cœur et se les dicter par sa tête. Vous voyez, c'est, ça a tellement changé en moi que maintenant, c'est instinctif, je m'en trompe. Et bah, depuis que je suis mon cœur, je n'ai jamais été autant dans l'alignement de moi-même. Depuis que je fais confiance à l'univers, depuis que je m'en remets à eux, alors comme tout à chacun, je suis humain, j'ai des périodes de peur, j'ai des périodes de doute, j'ai aussi des insécurités, mais j'ai toujours des réponses. Je trouve toujours la réponse, j'ai toujours une réponse. Et ils nous l'envoient d'une façon subtile, que ce soit par un SMS envoyé par quelqu'un, que ce soit par une musique, que ce soit par un moment miraculeux où tout semble impossible et que les choses se produisent. J'ai même parfois eu des séances avec des collègues à moi où je me disais, tu parles, bien sûr, ouais, c'est ça. Ça va m'arriver à moi. Et puis, ceux à qui... auquel je croyais le moins s'est réalisé, auquel je croyais le moins résonnait. Et là, je me dis, OK, d'accord. Et c'est comme ça que cette connexion à l'invisible est faite, en acceptant à un moment donné de lâcher prise. Alors, je sais que lâcher prise, c'est un peu le mot à la mode, tout le monde l'emploie un peu à tout et à veut rien dire. Moi, le lâcher prise, pour moi, c'est simplement à un moment se dire, là, tu n'as pas d'impact. Là, tu peux rien faire. Il n'y a rien qui puisse faire. Remets-toi-en à l'univers. Tout est juste. Tout ce qu'on vit est juste. Des synchronicités de rencontres, même des retrouvailles, des choses improbables. On l'a vécu nous-mêmes. dans notre histoire, elle est quand même hallucinante. Mais voilà comment je vois ma connexion à l'invisible. Et surtout, c'est se sentir entouré. C'est sentir que c'est un peu... c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est comme si on avait l'impression d'être en famille quotidiennement et qu'il y avait des gens autour de nous qui nous enveloppent. Et on ne les voit pas toujours, on ne les entend pas toujours, mais ils vont être là pour nous secouer quand on a besoin d'être secoués, mais ils vont être là aussi pour nous envelopper et nous rassurer. Un peu comme une petite sucrerie pour faire passer un bobo. C'est un peu ça. C'est comme ça que je vois cette connexion à l'invisible. Ouais. Et surtout, ce que tu parles, c'est que, avec cette connexion avec l'invisible, il y a eu aussi des bons et des mauvais, quoi. Ah, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ça qui est intéressant. On n'est pas toujours dans le monde des bisounours. Alors oui, tout à fait. C'est toujours mon côté à moi qui voit le verre à moitié plein. Mais malheureusement, oui, on n'a pas toujours des bonnes expériences où on ne va pas nous envoyer que de l'amour. Malheureusement, il y a aussi des égrégores négatifs qui jouent sur nous, qui peuvent... Il faut être très à l'écoute. Il faut venir aux bases. Moi, je dis toujours aux gens, il est important de s'ancrer, de se protéger, d'être dans la prière. Alors, il y a des prières de cœur, il y a des prières qui sont aussi inscrites de protection, mais il est important parce que très souvent, les gens pensent que quand on rentre dans l'invisible, il y a automatiquement que le monde des bisounours. Il ne faut pas oublier que la première porte qui est derrière la nôtre, c'est les bathysphères. Et à partir de là, si on ne filtre pas, si on ne fait pas des protocoles, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, si on ne respecte pas certaines lois karmiques, automatiquement, on va charger à un moment donné. Et c'est ça, faire attention. Tu vois, tu me fais penser à quelque chose qui m'est arrivé l'année dernière. Une dame me contacte en m'expliquant qu'elle souhaite être nettoyée, puisque je fais aussi le nettoyage de personnes quand il y a une entité ou quelque chose qui les charge. Et cette dame m'appelle en me disant, moi et mon conjoint, on souhaite être nettoyés. Et je dis... OK, pas de souci, on fixe rendez-vous. Et elle me dit, lui ne viendra pas. J'ai écouté, madame, je ne peux pas travailler sur lui sans son accord. Et là, en fait, elle m'explique qu'il vit avec une autre dame, que apparemment cette dame aurait fait de la magie noire. Elle me dit, oui, mais ce n'est pas juste parce que vous ne le nettoyez pas. Mais j'ai dit, mais madame, on a notre libre arbitre, je n'ai pas à interagir. S'il me le demande et qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, oui, s'il ne le demande pas, ce n'est pas notre place. Donc, je ne sais pas si tu réponds correctement à la question, mais c'est ça aussi.
Oui, voilà. Et ça, de toute façon, justement, tu échanges dans tes expériences que tu as vécues, hein, où tu parles que voilà, il y a eu des expériences avec certains défunts, etc., qui étaient peut-être un peu plus difficiles, en tout cas, à réceptionner pour toi. Oui, mais oui, on est bien d'accord. On est Voilà. bien d'accord. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que à chaque partie de ce livre, hein, partie 1, partie 2, partie 3, etc., jusque à la partie 5, tu utilises à chaque fois des citations. Et dans la première donc, citation que tu utilises, donc, qui est Denis Diderot, Oui. nous croyons conduire le destin, mais c'est toujours lui qui nous mène. Alors moi, je Oui. trouve que c'est une phrase qui au niveau vibratoire, moi, c'est un truc de dingue. Donc pourquoi ces citations à toutes les parties de ton livre, en fait? Alors, toute citation par rapport aux parties du livre représente quelque chose d'important, représente des moments clés de ma vie, des liens aussi, des choses qui m'ont fait vibrer. Notamment Denis Diderot, tu as choisi certainement la plus intime de toutes. Denis Diderot est né dans la ville où j'ai grandi, qui est Langres, que tu connais très bien. Oui. Et donc, Denis Diderot, c'était quand même pour moi un homme avant-gardiste. C'était un homme qui avait une intelligence d'âme et de cœur incroyable. Et quand j'ai trouvé cette citation, parce qu'à base, je voulais une citation qui soit de lui pour rendre hommage à la ville de Langres dans laquelle j'ai grandi, puisqu'on parle de. Dans la première partie de mon enfance. Donc, il était important de rendre hommage à ce berceau qui m'a vu grandir, cette ville très riche en histoire, que ce soit dans l'histoire comme nous, les cartésiens, on peut voir, hein, les remparts, les musées, mais aussi par son histoire ésotérique, parce qu'elle est extrêmement chargée Oui. à ce niveau-là, de bon, de moins bon, mais elle reste très intéressante. Il s'y passe quelque chose. Moi, je Ah l'appelle oui. le petit Carcassonne du Nord, tu sais. Le petit C'est ça. Carcassonne de chez nous, de chez moi en tout cas, qui est vraiment cette ville de cœur et qui m'a bercé, qui sont mes racines. Et donc, Denis Diderot, voilà, c'est parce qu'il était né là-bas et j'ai trouvé que cette phrase, elle était, mais elle avait tellement de résonance pour quelqu'un qui vient aussi au monde. Pour moi, cette phrase, elle avait Ah oui. plusieurs sens de quelqu'un qui vient au monde sans trop savoir qu'est-ce que va être sa vie, ses interrogations. Moi, très souvent, peut-être je me torture l'esprit, je ne sais pas, mais je me dis toujours, mais allez, qu'est-ce que tu pourrais être dans 10 ans? Qu'est-ce que tu vas être dans 6 mois? Et puis, à chaque fois, j'ai le même regard en me disant, mais même médium, tu n'es pas capable de prévoir tout ce qui change et ou tout ce qui C'est bouge dans ça. ta vie. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi. C'est avoir ce côté un petit peu l'adrénaline de ne pas savoir vers où on va, mais que quoi qu'il arrive, il y a un fil conducteur qui nous mène. Et notamment, voilà pourquoi j'ai choisi cette citation. Les autres citations, c'est parce que c'est des personnes qui m'ont fait résonner, c'est des choses que j'ai pu voir ou lire, des personnes pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Voilà. Ben, moi, si tu veux, la sensation que j'ai eue à chaque fois en fait que j'arrivais à une des parties et que je lisais en fait la citation, déjà je trouvais que vibratoirement, on dirait que ce livre va en augmentant en fait, hein, en système de palier un petit peu. Et moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu sais, tu nous donnais une nouvelle clé et qu'on ouvrait au fur et à mesure des petites portes. Et j'ai eu l'impression en fait vibratoirement de monter à chaque fois, c'était assez impressionnant en taux vibratoire, en fait. Écoute, alors, il faut savoir que sur la raide de la couverture, j'ai mis le symbole ésotérique pour moi qui est le plus fort, qui est la fleur de vie. Oui. D'accord? Donc, j'ai volontairement mis ce signe ésotérique, voilà, que tu montres à la perfection. Et en effet, je l'ai glissé dans mon livre. Et après, comment cette vibration s'est installée, je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Mais encore une fois, je suis tout à fait conscient que je ne suis pas maître de tout ce qui s'est passé à l'écriture de ce livre. Je pense que certainement mon guide ou voilà, des énergies autres ont participé à ça. Je pense que de toute façon, quand tu fais les choses avec cœur et que tu les fais avec passion, eh ben, mine de rien, ces mots ont été faits avec le cœur. Donc automatiquement, ces écrits vibrent. Du cœur, vivre de l'émotion, vivre de l'amour qui est transmis. Parce que, avant tout, j'ai écrit ce livre comme un peu un cadeau que j'avais envie de livrer aux autres. C'était
vraiment l'envie de m'ouvrir aux autres et dire voilà, je suis ça, je suis dans l'entièreté de ce que je suis là. Et si cette entièreté peut se connecter à vous et vous amener encore plus, alors tant mieux. Mais par rapport à différents aspects, on peut dire physiques du livre, beaucoup de personnes m'ont transmis ça, m'ont dit, mais quand on l'a dans les mains, on a une sensation d'avoir un cocon. Il y en a même une dame qui m'a fait rire, elle m'a dit, vous savez, les plaids tout doux qu'on a l'hiver, c'est hyper réchauffant, c'est hyper enveloppant. Pareil, une cliente qui m'a fait rire, qui m'a dit, je trouve tellement beau que j'ai mis en objet de déco chez moi. Bon, chacun y trouve sa résonance. Mais en plus, tout doux, c'est vrai, parce qu'effectivement, tu as choisi une couverture qui est toute douce, avec du relief et tout ça. Donc, c'est vrai que bon, on a envie de le garder dans les mains, mais c'est vrai que voilà. Alors, je te mets une petite anecdote rigolote, hein, parce que c'est vrai que je suis très enjoué par ton livre. Et donc, j'ai un ami qui est cher à mon cœur aussi qui me dit, Julie, je crois que tu as une poussée de Kundalini. Ben écoute, c'était presque ça quand je l'ai lu, en tout cas. Il n'aurait pas fallu qu'il soit érotique, ce livre. Merci, Dylan, pour cet instant. Mais oui, effectivement, c'est... Enfin, c'est un livre qui apporte quand même, moi je trouve, en tout cas, des clés. J'ai un petit retour aussi de Katia. Oui. Un très beau livre, facile à lire, et nous reconnaissons bien Nicolas, donc peut-être des gens qui te connaissent. J'ai aussi Cerise, donc qui dit « J'ai eu plein de synchronicités avec les prénoms dans ton livre ». Donc, tu vois, les invisibles se sont servis un petit peu de ton livre comme outil, justement, pour transmettre, en fait, ces beaux messages. Et tu sais que, petite anecdote qui est véridique, parce qu'il y a quand même certains prénoms que j'ai changés, hein, par respect envers mes proches, et notamment quand je parle de ma belle-mère, que j'ai appelée Brigitte dans le livre, il faut savoir que ses parents avaient hésité à l'appeler par ce prénom. Et je l'ai appris, en fait, c'était hyper rigolo. Quand elle dit « Ah, c'est rigolo que tu m'as appelée comme ça, parce que mes parents avaient hésité à m'appeler Brigitte. » Donc voilà, il y a des choses que j'ai fait comme ça sans le vouloir. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et tant mieux. Et Katia, oui, me connaît très bien. Et ça me touche profondément d'avoir ce genre de retour, bien sûr, bien sûr. On a aussi Aline qui s'occupe de la chaîne L'Essentiel TV qui nous fait un petit coucou ce soir. Voilà. Bonsoir Aline. Un petit virtual hug. Peut-être, qui sait, bientôt une émission avec elle. Pourquoi pas. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, écoute, bon. Moi, je rebondis là encore un petit peu sur ton livre où tu dis que tout a basculé pour toi en 2017. Oui. 2017 a été l'année, je pense, la plus folle de ma vie, j'ai envie de dire. 2016 et 2017 ont été deux années très chargées. En fait, tout a vraiment commencé, et ça, j'en parle pas dans mon livre. Je suis atteint de fibromyalgie, hein. C'est une maladie que j'ai depuis l'âge de 22 ans. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est la fibromyalgie, je vous l'explique rapidement, c'est une maladie qui va jouer sur plein de points, qui va jouer sur la fatigue, la prise de poids, des douleurs musculaires à plus ou moins forte dose, sensibilité à la lumière, au son, à l'odeur aussi, ça peut aussi arriver. Et c'est la sensation d'avoir, mais malheureusement, d'avoir l'injection de l'acide dans le corps à plus ou moins forte dose qui peuvent nous bloquer, nous handicaper. Et à cette époque, je travaillais dans une ancienne de cosmétiques anglaise qui se trouvait à Blagnac, qui était très loin de mon lieu d'habitation. Et j'ai dû être mutée. Voilà, j'ai dû être mutée au magasin du centre-ville. Et déjà, pendant ce long arrêt maladie, il y avait eu des prémices, hein, des petites choses qui s'étaient mises en place, qui sont arrivées. Donc, je suis arrivé au centre-ville en juillet 2016. Mais j'étais en mi-temps thérapeutique, j'avais encore beaucoup d'arrêts. Et c'est là où tout a commencé à se remettre de plus en plus en place. Il y a eu, en tout premier lieu, première manifestation, l'enterrement de ma voisine d'en face. Mais ça n'a été qu'un début. Je pense que l'événement le plus marquant, c'est que lors d'un après-midi où je dis toujours « je suis terrien, je suis comme tout le monde, je fais mon shopping, je fais ma vie, je profite
voilà, de petites choses qui font du bien. Et là, en moi se brise quelque chose. En moi se brise quelque chose et je sais qu'il s'est passé quelque chose. Mais je ne suis pas capable d'expliquer ce qui se passe. La seule chose que je suis capable de dire à ce moment-là, avec cette amie qui m'accompagne, c'est il s'est passé quelque chose qui bouleversera notre vie à tout jamais. Et en effet, c'est ce Ouais, qui se passera. c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais de toute Et façon, tu le développes un petit peu, tu vois, on va laisser un bien petit sûr, peu le suspense, de bien sûr. suspense sur ce livre, mais effectivement, tu le développes en tout cas dans ton livre. Donc Oui, après, il y a la partie de je m'incarne aussi. clairement. Oui. Voilà. Et donc, bon, où tu expliques un petit peu. Moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas dans cette partie-là, c'est la page 22 et la discussion avec ta maman. Ah, oui. Alors, est-ce que tu m'autorises à Bien sûr. lire ce petit bout? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que vraiment, moi, cette petite conversation qu'il y a sur cette page 22, m'a beaucoup résonné. Donc, je reprends le petit paragraphe, hein, aux environs de mes 6 ans, en âge d'avoir ma propre pensée, je demandais pourquoi on vit si on meurt après? C'est quoi mourir? Je finis par me lancer à interroger ma maman, car cela devenait une obsession. Je pris mon courage à deux mains pour demander à celle qui représentait mon phare au milieu de l'obscurité oppressante, dont ces questions m'entouraient un peu plus chaque jour. Maman, je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi on vit? Dieu nous a donné la vie à la suite de l'amour, très fort qui unit deux personnes. Mais si on s'aime, pourquoi on meurt alors? Car Nico, toute chose a un début et une fin. Le principal est de créer quelque chose de merveilleux en adéquation avec toi-même et les autres, et qui fait un tout malgré nos différences. Parfois, le Seigneur nous rappelle à lui plutôt que d'autres, car il a besoin de nous. Mais maman, s'il nous rappelle à lui, on fait quoi après? Les voies du Seigneur sont impénétrables, soit on monte au ciel, soit on descend en enfer, selon notre comportement et nos actes tout au long de notre vie. J'ai trouvé cette conversation, waouh, pour un garçon aussi petit, ces questions étaient déjà là, tu vois, Mais ces interrogations. parce que je comprenais pas, écoute, avec la notion du temps, avec la vraiment avec le recul, enfant, très souvent, j'avais une sensation de ne pas avoir envie de vivre, que ici c'était bizarre en fait. Ça me plaisait pas. J'étais pas à ma place. Je me sentais pas à ma place. Et donc toutes ces questions, je comprenais pas. Puis je comprenais pas le sens de faire venir quelqu'un sur Terre, qu'on l'aime, puis qu'on l'enlève après. Je trouvais ça pervers en fait. Je trouvais ça dans mes yeux d'enfant, c'était pervers. C'est pas logique. C'était comme si on me donnait mon cadeau préféré, mon jouet préféré, qu'on me l'arrachait. Ça me faisait souffrir. Et je voyais pas la notion. Tu vois, c'était vraiment cet esprit-là. Et par chance, tu vois. Ma maman avait cette intelligence d'âme incroyable de me faire voir les choses toujours différemment. Et même dans sa réponse, en fait, je me rends compte qu'elle était peut-être plus ouverte à ce qu'elle pensait, que sa conscience était ouverte au-delà de ce qu'elle croyait, de ce carcan religieux dans lequel elle était enfermée, qui était paradis ou enfer, et point, on s'arrête à ça. Non, il y avait cette notion-là. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a toujours appris tout au long de ma vie, m'a donné des clés. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je lui ai rendu hommage sur ma page professionnelle, chose que je ne fais pas souvent. Je ne me livre pas trop sur mon intimité, sur mes réseaux pro, parce que voilà, c'est aussi par pudeur. Mais elle a tellement contribué à faire de moi aujourd'hui le thérapeute que je suis devenu. Elle avait cette sagesse d'âme, c'était une vieille âme qui avait une intelligence du cœur qui était incroyable. Et je la remercie, je remercie l'univers de m'avoir prêté cette femme, pas assez longtemps à mon goût, mais de m'avoir prêté cette femme pour me permettre d'être devant vous aujourd'hui et de transmettre cette générosité de cœur et d'âme qu'elle pouvait avoir en tout cas. Ah oui. Ah oui. Mais ouais, mais des discussions lunaires comme ça, j'en ai eu des dizaines avec elle.
Alors, tu vois, le fait de ne pas se sentir à sa place étant enfant résonne beaucoup en moi. Mais oui, Hein. bien C'est sûr, vraiment l'une quelque de, bien chose, sûr. voilà, que vraiment beaucoup de personnes vivent et justement où on retrouve hein, vraiment dans cet ouvrage hein, le côté miroir, ne serait-ce que tu vois dans cet échange avec la maman où on avait l'impression véritablement de se retrouver au moment où tu discutes avec ta maman. Et d'échanger en fait comme ça. Moi, c'est ça que je trouve intéressant parce qu'il y a ces petites bouts en fait d'échange avec les gens que tu viens intégrer dans ton livre hein, qui est toujours vraiment très très intéressant. Mais parce que ces personnes-là, en fait, elles ont contribué. On les a mis sur mon chemin. On parlait de synchronicité. C'est ça. C'est l'heure de parler de synchronicité. Mais c'est surtout la vérité. C'est ça qui ponctue les gens. C'est ça qui font de nous, les êtres que nous sommes, les médiums que nous sommes. Très souvent, je le dis, on a tendance à nous mettre vachement en avant quand on commence à avoir cette pseudo-notoriété qu'on peut nous donner. Parce que pour moi, ça n'a pas de bon sens, en fait. Il n'y a pas de star, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a fait la réflexion en me disant, ah oui, tu fais partie de l'association qui réunit que les stars de la médiumnité. Ça ne veut absolument rien dire, ça n'a pas de bon sens, ça ne veut rien dire. Et que derrière ce qu'on est, on est aussi des êtres humains. Et pour devenir un être humain accompli, ben, on a été forgé par plein de personnes, par nos rires, par nos pleurs, par nos éclats de voix, par nos éclats de rire. Et que ben, c'est ça qui a fait qu'on est construit en tant que tel. Alors oui, on est armé différemment et on fait des armes ce qu'on veut, mais en attendant, c'est ces personnes-là. Et tous ces échanges dans ma vie, toutes ces personnes qui ont ponctué ma vie, qui m'ont amené petit à petit à ce chemin, ben, ils sont nombreux et je les remercie mille fois. Que ce soit mon conjoint, que ce soit la boutique Axel-Ange pour les Toulousains qui connaissent pas, mais allez-y, allez-y. Sans elle, j'aurais jamais ouvert un cabinet, j'aurais jamais écrit un livre, j'aurais jamais intégré le salon du bien-être, j'aurais jamais été à Source de Vie. Jamais. Elles sont d'une bienveillance, elles sont à l'écoute. T'as des gens comme ça aussi Mais voilà, hein, qui tu as sont des des. créateurs de thérapeutes. C'est ça, des guides spirituels terrestres, en fait, hein. Exactement, Des exactement. personnes que l'on rencontre et qui sont, en fait, des véritables tremplins hein, à nos problèmes de légitimité, hein, Mais bien sûr, bien sûr. de quête de reconnaissance ou de choses comme ça, des choses que l'on ne s'autorise pas, justement, parce qu'on n'a pas peut-être été porté, Armé justement, avec pour, cette confiance. simplement. Armé pour. Et moi, je dis toujours, c'est très important. C'est aussi, comme tu le disais, tu parles d'effet miroir, mais l'effet miroir aussi, face à ce qu'on est, que notre entourage, le regard de notre entourage est là. Moi, je le dis toujours, je vais le confesser là, je ne l'ai jamais fait publiquement, pour être très honnête. Je l'ai remercié, mais je ne l'ai jamais fait. Mais ma mère était quelqu'un qui était un point d'ancrage dans ma vie. Hein. Je disais toujours, c'était mon phare dans mes nuits noires. Et mon conjoint a repris cette place. Je sais, en conférence, je ne sais pas si toi tu vis ça, mais en conférence, j'ai toujours besoin d'avoir, de Un regarder, regard d'avoir ce accepté. regard, tu vois, ce point Ouais, d'ancrage. c'est ça. Et c'est mon point d'ancrage. Oui, C'est c'est ça. en Regarde-moi. difficulté, elle voit. Et bien, juste Tout ça, juste dans son regard, je dis, OK, ça va aller. Ça va. Mais je fais partie de ces personnes qui seront toujours pas satisfaites de lui. Alors, des fois, je me sens hypocrite parce que je dis à mes clients, allez, il faut arrêter de toujours mettre la barre trop haut et faut dire que vous avez donné le meilleur de vous-même et c'est là où est la justesse et la bonne dose. Ben, toujours, très souvent, en sortant de conférence, je vais être fébrile en disant, est-ce que j'étais assez à la hauteur? Est-ce que j'étais assez précis? Puis, stop, stop. Oui, ce mental qui reprend le dessus. Exactement, ce mental constant qui vient là nous trifouiller un petit C'est peu ça. et qui vient un petit peu nous saboter, nous piquer par-ci par-là pour nous. Ben ouais, oui, mais Ouais. c'est pas grave parce que ben, justement, encore une fois, et c'est en ça où je veux revenir, c'est que sans ces interactions-là, sans ces échanges parfois lunaires, parce que on peut aller très loin avec certains d'entre eux, eh ben on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui, en tout cas.
pour ma Alors, part. je rebondis sur le côté enfant, hein, Oui. avec tu vois, Marine qui dit bonsoir, j'ai l'impression d'entendre mon fils de 8 ans avec toutes ces questions et souvent cette tristesse qu'il n'explique pas. Alors, en ça, je rebondis vraiment pour toi, Marine, parce que dans le livre de Nicolas, justement, avec toutes ces expériences qu'il partage, tu vas pouvoir plus facilement peut-être accompagner ton enfant, parce que le fait de lire une biographie, de comprendre ce que vit un médium du début, vraiment du tout départ à son point d'apogée, moi ce que j'appelle l'alignement, si tu veux, être en accord entre le physique, l'esprit, l'âme, hein, ben justement, t'apprendras peut-être à mieux pouvoir envelopper ton enfant et de ne pas te perdre. Hein, Marine, donc je sais pas ce que t'en penses, toi, Nico, c'est quand même Moi, toi qui l'as écrit, mais voilà. oui, mais Marine, je pense que ça peut être en effet un point de compréhension. Et puis c'est surtout, ça va être important de ne pas hésiter à leur poser des questions. Et puis bah, de ne pas faire, oh non, faut pas, ou bah ok, pose-toi, explique-moi. On va essayer de comprendre ensemble. Avec les enfants, très souvent, on n'est pas à l'écoute. J'en parle, notre société, notre mode de fonctionnement va les calibrer énormément à des croyances limitantes. Faut surtout pas laisser ça se mettre en place. Faut aller les pousser, il faut les écouter. Quand un enfant de 4 ans dit ah, mais tu sais, j'ai vu Tata Sylvette qui est décédée il y a 15 ans, ben pas le dire, c'est pas drôle de ah bon, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Où elle était? Qu'est-ce qu'elle faisait? Voilà. Alors, je dis pas que l'enfant ne peut pas être un peu dans la fabulation à certains moments, mais il faut quand même être à l'écoute. Et à ce Oui. moment-là, vous saurez prendre les bonnes décisions. Vous saurez prendre les bonnes décisions. Ça, j'en suis certain. Donc oui, il est important de parler à ses enfants. Il ne faut pas faire un tabou des choses et puis expliquer. Alors, attends, du Alors attends, coup. alors je vais rebondir avec Pardon. Marine, Oui. voilà, et après je vais te mettre une question très pertinente donc de Nicolas, le mari de Lisa. Donc je ne sais pas si tu te souviens, tu étais venu à la maison et tu avais senti sa médiumnité. Ils étaient nombreux dans sa chambre, épuisés son énergie, mais difficile d'en parler avec lui sans qu'il n'ait peur. Alors, oui, ça me parle, ça m'évoque quelque chose. Ça m'évoque quelque chose. En effet, après, je pense que ça remonte un petit peu, hein, je pense, Marine. Alors, en effet, bon, pour le coup, j'ai pas le cas reprécis, pour être très honnête, mais j'ai eu différents cas qui se sont produits de la même façon. Il faut Alors, c'était absolument. moi. C'était moi. Ah, pardon. C'était moi. Je ne comprenais pas. Je te voyais interrogateur, mais non, c'était Ben moi. oui, parce que j'ai eu des situations un petit peu qui étaient similaires en fait. Mais j'ai eu un petit garçon, mais ça ne me semblait pas si précis que ça. Oui. Moi, je pense qu'il va être hyper important, Marine, en tout cas, si j'ai un conseil à donner, c'est lui dire qu'il ne faut pas faire un tabou et qu'il ne faut pas se laisser dicter par ses peurs. Que plus il Oui. va être précis, plus il va en parler, plus justement on va pouvoir trouver les choses adaptées pour l'aider à ne plus se sentir dans la peur. Voilà. Il faut Moi, la trouver peur. des outils, hein. Moi, je dis souvent, il faut Exactement. lui donner des outils pour en fait apprivoiser ces invisibles et les dompter, hein, quelque part, hein. Exactement. Et lui expliquer aussi que parfois, ils ont plus peur de nous que nous, on a peur d'eux, hein. Et ça, c'est une réalité des choses. Moi, pendant très longtemps, je n'osais pas traverser les couloirs et être dans une pièce noire. Bon, ça peut m'arriver encore parce que des fois, je peux sentir une énergie qui est vraiment très agressive ou désagréable. Mais je sais aussi y faire face. Et c'est en étant en s'armant avec le temps, en leur montrant que bah faut pas faire de tabou, faut leur donner des petites anecdotes. Par exemple, quand on se sent, moi c'est une anecdote que je donne toujours aux gens qui savent pas trop comment se comporter, quand on commence à avoir peur, qu'on sent qu'il y a une énergie autour de nous qui nous dérange, nous étouffe et nous fait peur, tapez 3 fois au-dessus de votre tête. Ça fait éclater l'énergie. Ça va la reculer, ça va la repousser. Voilà, c'est une petite anecdote. Toute bête, mais qui m'aide bien certains soirs Ah ben, je vais faire ça quand en je. course. Je vais faire ça en course. Alors, On se voit à j'avoue que. Carrefour. Parce qu'alors Il y en a là. deux, hein, on est d'accord. Mais voilà, ou même, voilà. Voilà, tiens. Non, Ah, mais voilà. parce que On c'est l'adapte. chargé dans ces lieux-là. Hein, donc, Oui, mais on peut l'adapter. on peut Ça m'est déjà l'adapter. arrivé.
en cause. Ah, tiens, le fromage. Et voilà, et ça fait voler l'éclat. Alors on l'adapte, mais pas dans la tête des gens, s'il vous plaît. Voilà, non, je ne prône pas la violence. Même si des fois c'est tentant, on leur envoie de l'amour, on leur envoie énormément d'amour. Et mais en tout cas, oui. Du reste. C'est des petites techniques, techniques en tout cas qui peuvent accompagner ton enfant et ne pas oublier de donner surtout à ses enfants des outils dans la matière, puisque les enfants ont besoin quand même de choses dans la matière, comme vient d'expliquer Nicolas, hein, le fait de taper 3 fois au-dessus de sa tête ou même devant, mais les enfants ont besoin de choses concrètes pour justement se défendre des choses qui sont invisibles. Donc n'hésitez pas à donner des outils dans la matière pour les accompagner et non le côté perception mentale. Après ça, donc j'avais le mari de Lisa, oui. Fred, qui disait « Est-ce que les défunts qui viennent sont perçus par les deux médiums présents en même temps ?» Alors, ça peut arriver. Il n'y a pas très longtemps, ça m'est arrivé où j'ai une dame. On était avec ma consoeur, on était en train de se préparer. Il faut savoir que personnellement, je m'isole à un moment, hein, on s'isole chacun de notre côté. Je fais une feuille sur laquelle je vais numéroter, je vais mettre des mots-clés que je vais donner lors de cette médiumnité. Et on était tombé sur le même cas. En fait, on a été tous les deux, et comme c'est elle qui avait commencé, bah du coup le message était donné. Mais oui, ça peut arriver qu'on puisse capter le même défunt, et même des fois ça peut arriver, on s'en rend même pas compte parce qu'on le note pas forcément. Moi, je sais que des fois en conférence, quand ça va être le moment où moi je vais rentrer en conférence, je sais qu'avant il y a une demi-heure de coupure. Hein, sur The Vie, c'est comme ça que ça fonctionne. On fait 1h30, une demi-heure de coupure et 1h30. Et avant la coupure, parce que je sais que c'est là où on va venir chercher un livre, que les gens vont venir aussi nous poser des questions, une demi-heure avant que ma collègue finisse, je me coupe de ce qui est dit dans la salle et je me mets dans ma bulle. Voilà, je peux être dans le vide, mais je me mets dans ma bulle. Donc, des fois, on ne se rend pas compte, mais on peut retransmettre un message et dire « Ah, mais je l'ai eu tout à l'heure. » Ah, d'accord, bon, Et il ne faut pas hésiter à le dire dans la salle. Hein, on est assez d'accord entre nous à dire non, il faut aussi dire non, mais j'ai déjà eu. Dans ce compte-là, on passe à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors après, j'ai aussi donc Lune Bleue, donc en fait qui s'appelle Morgane. J'ai longtemps caché à ma fille ma médiumnité par crainte qu'elle ait peur. Et finalement, c'est elle qui a provoqué la discussion. Et là, je me suis ouverte. Depuis, elle n'a plus peur de la mort et me parle souvent de sa grand-mère qui lui manque. Mais comme elle sait maintenant qu'elle peut lui parler, ça l'a apaisée. Effectivement, hein, ne pas cacher sa médiumnité à un enfant, je pense que c'est mieux. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense qu'il faut être très transparent. Les enfants sont capables de comprendre. Maintenant, alors, je vais faire une parenthèse et un parallèle. J'ai vu une émission il n'y a pas très, très longtemps, une émission qui se dit relativement sérieuse à la base, où il y a eu un reportage sur des différents médiums, d'accord ? Et cette dame, en fait, chacun pratique comme il veut, mais ça m'a profondément dérangé de dire à son enfant « on fait du Reiki sur ta crêpe le matin ». Je n'ai pas compris le sens. On peut communiquer sur une médiumnité, on peut communiquer sur… on va mettre une main en faisant du Reiki sur une crêpe. Alors, soit il y a été quelque chose d'intelligent dit derrière qui a été coupé au montage, soit, à mon sens profond, il n'y a pas de sens. On peut parler aux enfants, on peut exprimer aux enfants que ça existe, mais il ne faut pas non plus faut pas être dans l'extrême des choses. Il faut savoir aussi les préserver. Il y a certains parents, moi je vois des parents qui, par fascination, leurs enfants vont capter, vont vouloir à tout prix dire « Ah non, mais c'est un médium, il faut l'aider. » Oui, laissez-le vivre sa vie d'adolescent et on verra plus tard. Tant que ça ne vient pas déranger… Une incarnation. Exactement. Tant que ça ne le dérange pas, tant que ça ne l'embête pas dans la vie, tant que ça ne l'empêche pas de vivre sa vie, son incarnation la plus humaine possible, et la spirituelle viendra plus tard. Oui, c'est ça. Ne pas faire un tabou, on est bien d'accord, mais ne pas faire non plus n'importe quoi.
Mais oui, en tout cas, j'ai l'envie d'avoir des enfants et je ne cacherai jamais quelle est ma vocation parce que pour moi, ce n'est pas un métier, hein. Ce n'est pas mon métier, c'est une vocation. Oui, c'est une véritable mission, hein, de toute façon, ça Exactement, c'est sûr. exact, exact. Alors, on va continuer justement à parler un petit peu de tout. Chaque chapitre donc a une situation hein, Ouais. différente, hein, va venir appeler à différents thèmes, notamment où tu parles d'un système qui nous formate Oui. Alors, aussi. excuse-moi, je te coupe parce que je viens de voir quelque chose de très fort qui vient de passer. Monica Fourreau, je viens de voir votre question. Elle m'a sauté aux yeux. Je suis désolé, Julie, mais il faut vraiment que je réponde à ça. Alors, vas-y. Alors, Monica, surtout, jamais. Jamais. Je développe. Imaginez que vous êtes une personne qui essaie de parler à quelqu'un d'autre et elle ne vous entend pas. D'accord? Vous allez insister, vous allez insister. Si on vous gueule dessus, quelle va être la réaction que vous allez avoir? Les entités, elles ont aussi notre énergie. Elles ont aussi leur sensibilité. Donc, jamais, 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 il faut leur gueuler dessus. Parce que ça peut aussi exciter l'entité, ça peut la rendre plus agressive. Donc, bah, soyez prudente. Si jamais vous vous sentez trop envahi par quelque chose qui se passe chez vous, bah, à ce moment-là, faites intervenir quelqu'un qui a la capacité de pouvoir faire un nettoyage du lieu ou raisonner la situation, mais surtout ne rentrez pas dans le conflit parce que ça peut vraiment avoir des proportions vraiment violentes. Alors, pas s'engueuler, par contre, imposer une forme d'autorité verbale, hein, en restant. Expliquer que c'est pas le Voilà. moment ou que vous ne savez pas comment aider, oui, mais ne pas gueuler, ne pas être vulgaire. J'ai déjà entendu des Oui. gens dire, ouais, mais moi je leur dis, cassez-vous, bon, vous avez rien à foutre chez moi. Mais surtout pas, non, non, surtout pas. Ça peut rentrer dans un lien qui est violent, et puis il ne faut pas Oui, c'est oublier ça, un conflit, en fait, hein. un conflit, et puis on ne sait pas d'où vient l'énergie. Si on est sur une énergie qui a des énergies assez basses, bah, ça peut prendre des proportions et vous allez perdre dans l'histoire, je peux vous le Oui, garantir. après leur dire que vous ne vous sentez pas prêt à réceptionner un message maintenant. Alors effectivement, moi je pense que pour ma part, il est important quand même de verbaliser comme si on s'adressait à une personne, mais simplement de leur dire que nous ne sommes pas prêts ou que ce n'est pas le moment pour vous et que vous les invitez à revenir à un autre moment, hein. Voilà, mais comme dit Nicolas, il est très important de ne pas générer cette forme d'agressivité, en fait, de taux vibratoire très très bas. Donc, pour te dire qui est Monica Fourreau, c'est ma maman. Ah, bonjour. Voilà. Bonjour, maman Julie. Donc voilà, et nous avons le retour de Morgane qui dit: je suis totalement d'accord avec Nico, il faut doser ce qu'on leur dit, mais je lui ai expliqué, ce n'était qu'une âme et que la vie ne s'arrêtait pas après la mort de notre corps. Non, c'est Voilà. vrai. Donc bien sûr, adapter son phrasé par rapport à tout ça. Donc on continue hein, sur ce que je disais. Tu abordes un sujet, en tout cas dans ton livre, qui est le système qui nous formate. Hein, qui est aussi une partie de ton livre que j'ai beaucoup aimé, Mais oui, qui a mais oui. beaucoup de sens et résonance. Et justement, alors pour ça, on va pas trop trop développer là-dessus, mais en tout cas, voilà, il est important quand même de dire que chaque personne, nous ne détenons pas une vérité complète. Ah non, complètement pas. Nous avons chacun notre propre vérité. D'ailleurs, en fait, tu exprimes un petit peu hein, dans les formatages hein, en fait que l'on va Bien sûr. mettre. J'appelle ça aussi le format croyance limitante en fait, hein, tout ce qui se met autour Exactement, de c'est le ça. bon Hein. mot, c'est le mot juste, c'est exactement le mot juste. Il faut garder notre libre arbitre, il faut garder aussi nos croyances. Tout comme moi, je sais que tu animes des ateliers. Dans les ateliers, je leur dis toujours, moi je parle des bases de l'ésotérisme, et je leur dis toujours, mais encore une fois, si ce que je vous dis n'a pas écho en vous, bah, le faites pas. C'est Il faut ça. absolument être aligné à vous. Si aujourd'hui je vous dis, bah, écoutez, vous avez l'option de. Et que ça ne vous convient pas, bah, allez vers autre chose. Quand les gens me disent, bah, moi, l'énergétique, je n'ai pas confiance, eh bien, n'allez pas vers l'énergétique, allez vers un magnétisme, allez vers le kinésiologue, allez vers un magnétiseur, allez vers un hypnothérapeute. On a plein de facultés différentes qui existent pour que chacun s'y retrouve.
Mais l'important, c'est s'aligner à ses croyances et arrêter, parce que la globalité des gens disent que c'est blanc, bah, si vous le voyez nuancé beige, bah, c'est beige, point. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Mais complètement. Complètement. Hein, il faut un peu être son propre maître, hein, dans son développement, justement, par rapport à cette médiumnité. Il faut être beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'écoute de soi-même, de ses ressentis. Hein, ça passe par un alignement de soi-même. Alors moi, j'ai une question, tu vois, qui m'interpelle aussi un petit peu. Est-ce qu'un don nous est forcément révélé tôt ou tard, ne peut-on pas passer à côté par manque de confiance en soi? Alors, moi, je ne sais pas toi, Nicolas, mais déjà, l'aspect don, Me dérange. c'est pas Tu as mimétique. exactement. Voilà. Je crois qu'il a été un peu employé dans mon livre de temps en temps parce qu'on voulait donner un peu un changement de. Mais Voilà. je parlerais plutôt de capacité que de don. On a tendance à un peu faire le dist. Enfin, on fait pas le distinguo. C'est une capacité. C'est une capacité qui est plus ou moins élevée chez tout un chacun. Mais le mot don me dérange un peu. En soi, pour répondre à cette question, on a tous des capacités. On a tous des capacités médiumniques, plus ou moins à forte dose. C'est-à-dire que, par exemple, vous passez un entretien d'embauche et vous avez l'impression de l'avoir loupé. Il y a une voix en vous qui vous dit, mais si, tu vas l'avoir. Et puis vous faites confiance, vous dites, oui, après tout, je vais l'avoir. Et vous avez ce job. Mais en fait, vous avez juste entendu votre guide. Et c'est comme ça que les choses passent pour nous la plupart du temps. C'est juste qu'on a cette sensibilité qui est plus forte, qui permet qu'on capte plus vite ou plus facilement. Mais en soi, alors il y a quand même à moi, et ça n'engage que moi, une visualisation que certaines familles ont ces capacités-là qui se transmettent de génération en génération. J'ai presque envie de. Allez, on va peut-être dire, les gens vont peut-être me prendre pour un dingue, mais c'est comme si c'était un peu dans notre ADN. Quelque chose d'invisible qui est gravé, qui se colle à notre ADN, qui nous donne un surplus. Mais en soi, on a tous ces capacités plus ou moins développées, comme certains vont être super doués en maths et d'autres en orthographe. Et ben voilà, nous, c'est exactement la même chose. Par exemple, magnétiser, on peut tous magnétiser. C'est ça, il y a des premiers réflexes. En fait, on a Exact. des premières capacités médiumniques, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que la médiumnité, c'est être un intermédiaire, en fait, entre le visible et l'invisible, hein. Exactement. On est juste. Moi, je donne toujours l'exemple. J'aime toujours donner, schématiser par les choses. On est toujours cette petite enceinte, en fait. On n'est qu'une petite enceinte qui transmet plus ou moins de bonne qualité, mais on transmet et on est tous capables de transmettre à un moment C'est donné. ça. Alors, le manque de confiance en soi peut être, hein, bien sûr, Un facteur limitant. à un moment donné, un frein, hein, à l'éveil Bien de ses sûr. potentiels. Mais si tu veux, tu disposes déjà de capacités telles que la claire intuition, hein, de se dire, oh là là, je ne dois pas aller à tel endroit ou tel endroit, ou Exactement. alors de se dire, oh là là, celui-là, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Ça, déjà, c'est une forme de médiumnité, hein, Exactement. ça, tu Et parles, d'ailleurs, quoi. pour revenir sur les pensées limitantes, on nous dit toujours, ne juge pas la personne sans la connaître, développe-la. Et bien moi, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens, quand je ne les sentais pas de base et que je forçais un peu, j'ai toujours fini par me faire avoir. Et bien maintenant, quand je ne sens pas, je ne sens pas, je ne force pas. Alors, je ne souhaite pas de mal, je ne souhaite rien du tout. Mais juste, voilà, je sens pas, je sens pas. C'est comme instinctivement dans le métro, bah, vous vous mettez pas à côté d'un monsieur et pourquoi à côté d'un autre? Bah, ça s'explique pas, c'est comme ça. Tout le C'est monde ça. est énergie. Mais en effet, la confiance en soi est importante. Moi, ma légitimité, je l'ai trouvée en tant que thérapeute, en tout cas, bah, petit à petit, être thérapeute m'a soigné aussi. Ah Ça m'a mais permis de prendre confiance en moi. Ça m'a permis de me dire, bah, tu vois que tu es capable de faire du bien, tu vois que ta vie, elle a un sens. Mais faut pas croire, on vient en aide à nos clients, mais les clients nous viennent en aide aussi. C'est ça, complètement. Complètement. Alors, je réponds vite fait à Anne-Marie Montaud. Et non, malheureusement, Anne-Marie, Nicolas ne sera pas avec nous sur le salon de Bordeaux, Et à non, mon grand désolé. désespoir. Je Mais sais, je sais, je sais. Alors, peut-être l'année prochaine. peut-être, à y réfléchir. J'avoue que pour le moment, je ne fais qu'un salon par an. Par contre, alors d'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont des associations, n'hésitez pas à me contacter. Du moins, donc, quand je parle d'association à titre médiumnique,
qui recherchent des médiums pour faire du contact défunt ou des conférences sur différents thèmes, sachez que je suis ouvert. Hein. Là, je vais aller à Carcassonne bientôt. Le 1er avril, je suis à La Rochelle. Voilà, je commence à circuler. Et Bordeaux m'attire et je serai ravi de venir vous voir à Bordeaux dès que l'occasion s'en présentera, dès que j'aurai l'opportunité, j'aurai le plaisieur de venir à votre rencontre, en tout cas. Bon, ben c'est super. En tout cas, nous, on t'attend avec impatience. Hein. Voilà. Alors, je rebondis encore un petit peu sur les différents chapitres aussi. Hein, donc, le chapitre 3 où tu expliques donc plusieurs épisodes de ton adolescence, hein, comme tu l'as énuméré tout à l'heure, hein, qui est un chapitre aussi important hein, de ton livre. J'ai beaucoup aimé aussi la page 41, hein, ton grand-père. Oui. Hein, je trouve aussi que c'est une partie où véritablement voilà, tu te livres. Ah oui, bien sûr. Je pense que ces parties-là, en fait, je n'ai pas, pendant très longtemps, quand j'ai écrit ce livre, j'ai été aidé, j'ai été conseillé. Ma meilleure amie, qui est la plus grande experte de ce que je suis, n'est-ce pas, a corrigé mon orthographe quelque peu douteux. À un moment, on s'est posé cette question. Elle m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Où tu veux mettre des limites? Et j'ai dit, je ne mets aucune limite du moment que c'est un lien avec ma médiumnité. Donc, entre guillemets, si je dois me mettre à nu, je me mets à nu. Je veux que les gens comprennent et aient la sensation de rentrer dans la tête d'un médium et que surtout, ils ressentent tout ce qui peut se passer en nous au moment-là. Et quand je parle du départ de mon grand-père, c'est exactement ce qui se passe. C'est que c'est peut-être l'un des moments les plus forts de ma vie, l'une même des premières connexions, de reconnexion à cette médiumnité qui me permet d'être sûr, j'en aurais mis ma main au feu, ou quelque chose en moi change, ou quelque chose en moi bouge à ce moment-là, et je sais que j'ai raison, je sais que j'ai pas tort, et les heures me donneront raison. Oui, oui, vraiment. C'est une partie du livre qui a beaucoup de rebondissements, hein, où quand même on a envie de tourner la page parce qu'on est un peu dans le suspense, hein, on vit cette angoisse aussi avec toi. Hein. Vraiment, émotionnellement, on varie, on fluctue émotionnellement en fonction de toi, de ce que tu vis, hein, dans ces expériences que tu donnes. Donc, en partie 2, on a mon éveil. Et dans mon éveil, à la page 103, il y a « Au revoir, maman ». Qui est vraiment aussi un passage très haut en sensibilité. Je pense que c'est celui dans lequel a été à la fois le plus intime, le plus chronologique, le plus empli de vérité, qui est ma vérité à ce moment-là, qui est le moment où elle me remet au monde. Et ça, je le dirais toujours, à ce moment-là, il y a un truc entre nous qui fait qu'elle me remet au monde et qu'en même temps, on m'ampute d'un membre à vie. Mmh. Et je garderai ce membre fantôme. Ça a été fou, ce départ. Ça a été fou... que ce soit dans la rapidité de la dégradation de l'état de santé, ça a été fou dans ce que je vis à ce moment-là, cette espèce de sérénité d'être enveloppé, d'être dans un amour incroyable, dans une douleur profonde, et puis cette façon particulière où elle vient me dire au revoir, vient même nous dire au revoir. Ou même, j'ai hésité, pendant longtemps, la discussion s'est faite, de dire, mais est-ce que je vais au bout et est-ce que vraiment, je vais raconter ça? Les gens vont me dire, mais il est bon à interner, ce garçon. Il est complètement dingue. Eh bien, non. Et je pense que c'est peut-être l'un des moments les plus farfelus, les plus magiques, les plus intenses, les plus fous de ma vie.
Vraiment. Et ça, c'est vraiment un magnifique partage donc, que vous pouvez retrouver dans le livre, en tout cas, haut en sensibilité. Et voilà, c'est vraiment pour vous dire que dans ce livre, outre la biographie, hein, on partage avec toi des moments d'intensité vraiment. Oui, comme étant avec un ami et qui raconte sa vie et qui. Tu prends un café, mais c'est en même temps une telle fluidité, un tel Oui. partage émotionnel. Donc, c'est ça qui est le plus fou et le plus intéressant. Alors après, on a, hein, tu partages aussi en partie 3 l'apprentissage. Hein, ça, c'est vraiment Oui. très intéressant et qui justement va pouvoir vous accompagner hein, vraiment un maximum. La partie apprentissage qui a été, je trouve, moi, vraiment développée. Comme il faut, on n'en a pas trop et on n'en a pas assez. Tu vois, on ne reste pas sur sa fin. Merci. C'est vraiment le top, quoi. C'était essentiel en fait pour moi dans l'apprentissage d'expliquer que ça ne se fait pas comme ça. C'est important d'expliquer aussi qu'il faut savoir prendre le temps, que vous allez avoir des phases de progression. Et puis des moments, bah, vous allez avoir, va redescendre. Et puis il va reprendre. Et bah, c'est comme ça. En fait, très souvent, quand on rentre dans ce monde-là, on se sent dans le monde des bisounours où tout est beau, tout est rose, on redécouvre tout, on veut aller vite, toujours plus vite. C'est ça. Et puis on part de plein, plein, plein de bonnes intentions. Mais ce chemin, il est semé d'embûches. Ce chemin, il est semé aussi de remises en question. Il est aussi vital de mettre les valises à terre, mettre ses propres valises à terre. On peut pas rentrer dans ce domaine si on est dans la souffrance si brute Ah oui. en espérant que parce qu'on va soigner les autres, on va soigner en même temps. C'est juste pas possible. Et c'est ça que ça m'a appris. Cet apprentissage, il a été à la fois long et pas long. J'ai cette sensation un petit peu, cette période de ma vie, elle est passée tellement vite, mais en même temps, elle s'est passée d'une façon logique. Oui. Voilà, les choses se sont faites logiquement. Et puis, bah, j'ai fait des erreurs et je remercie ces erreurs. J'ai eu des personnes malveillantes et bah, je remercie ces personnes malveillantes parce qu'elles m'ont rendu plus fort, elles m'ont appris à me protéger, elles m'ont appris à rester dans l'amour, même si parfois j'ai eu des noms d'oiseaux, je reconnais, mais parce que je reste encore humain. Oui. Très souvent, quand on rentre dans la médiumnité, très souvent, j'entendais des gens me dire. Ah oui, mais toi quand même, t'es médium, tu ne devrais pas penser comme ça. Non, je suis avant tout humain. Je donne toujours l'exemple, si pleut à verse dehors et que quelqu'un serre la route et m'éclabousse en faisant prendre une douche, je ne vais pas lui dire merci Seigneur pour cette douche gratuite. Je vais lui Ah dire que c'est un gros bon? hein, ok? Voilà, Non. allez, c'est un gros con. Et ben oui, on a besoin aussi. Il faut un petit peu arrêter de sacraliser l'image du médium. Il y a eu tellement de folklore autour de tout ça, de grands sages, de grandes prêtresses ou grands prêtres du bien-être. Et stop, on est des humains. Quand on est malade, on est comme vous. Quand on va aux toilettes, on est comme vous. On est aussi, on se lève avec bah, des journées moins bonnes, des journées bonnes. Bah, on essaye d'appliquer. Et je dis toujours, et ça c'est hyper important, soyez à l'écoute de vous. N'hésitez pas, pour les nouveaux thérapeutes, pour les futurs thérapeutes qui nous regardent, ben, n'hésitez pas. Même si à un moment donné, vous vous dites, ben, oh, ouais, mais cette séance, je vais la perdre, j'en ai besoin financièrement. Mais si vous sentez que vous n'allez pas être aligné, si vous sentez que de toute façon, vous ne serez pas bon dans ce que vous allez faire, reculez là et croyez-moi, l'univers vous le rendra. L'univers vous remerciera de savoir-faire. C'est ça. De toute façon, il n'est pas bon pour vous-même de vous mettre en danger ou d'aller à Ah non, l'encontre de ce que vous jamais, sentez, parce que jamais. sinon, vous allez vous dégommer la confiance en vous. Et Oui, alors là, et puis on peut faire aussi des grosses catastrophes. oui. Des fois, de présumer parce que très attention à l'ego. C'est ça. Je trouve ça hyper dangereux. Des personnes qui disent oui, non, mais moi, stop, 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 stop. Il n'y C'est a pas ça. très longtemps, j'ai C'est ça. quelqu'un qui a été dire, je peux te faire un soin pour te faire baisser la fièvre, mais jamais de la vie, jamais de la vie. On peut pas, comme les gens qui pensent que les médiums, on voit tout. Moi, il y a des gens qui me disent, ah, mais vous pouvez tout savoir. Mais madame, si je pouvais tout savoir, bah, c'est pas que je suis vénal, mais j'aurais 2 fois par semaine à l'euro million. Si je pouvais tout savoir. Donc, Ah, il y a aussi une part où il faut un petit peu remettre les choses en place.
Oui. Il faut. Oui, les gens mélangent tout en fait, hein, dans cette espèce de new age de spiritualité, les gens vont faire Exactement. énormément d'amalgame, quoi. Hein. On rentre dans des choses où on veut nous faire avaler des pilules, quoi. Moi, je dis aux gens, il faut arrêter. Moi, il y a deux questions. Quand les gens viennent me voir en séance, il y a deux questions essentielles que je pose. La première, c'est est-ce qu'ils sont prêts à tout entendre? Pourquoi? Parce que je leur dis, je ne suis pas diseur de bonnes aventures. Donc, je peux voir des choses très cool, puis je peux voir des choses un peu moins cool. Ouais. Mais ce n'est pas grave, parce que moi, quand je fais une séance, c'est comme si j'étais votre GPS de vie. Mais si on n'est pas sur la bonne destination, toujours temps de faire demi-tour. On a C'est vrai. toujours notre libre arbitre, On même a s'il y a des toujours choses qui sont ponctuées dans la vie et qui sont écrites et qu'on doit vivre et par lesquelles on doit traverser pour des raisons karmiques ou autres, sans vouloir se perdre dans tout ça. Et la deuxième question, c'est toujours dire, prenez bien conscience que ce que je vois maintenant, c'est maintenant. Il y a une décision. Une fois que vous allez prendre une décision, un mot, quelqu'un, ça changera la donne. Et ce n'est pas pour me dédouaner que si ce que je vous prévis dit n'arrive pas, OK. Non, c'est que c'est la réalité des choses. Et qu'il faut arrêter de croire que parce qu'on veut ça, l'univers donne tout. L'univers nous donne ce qui est juste. C'est ça. Et il ne faut pas l'oublier. Et il faut pas l'oublier. Et moi, je rebondis aussi sur un passage de ton livre Oh. que j'ai Ah. beaucoup aimé. Oui. Oh Désolé, non mais je pense que ce oui, message va toucher. Il y a oui, Fatima Tarek. c'est fait. Oui, je l'ai vu, Fatima Tarek. je l'ai croisé tout Oui. à l'heure. Alors je réagis beaucoup parce qu'en effet, dans son livre, on parle d'un événement marquant qui a déclenché beaucoup de choses. Ce fameux après-midi où ma vie a basculé, c'est la vie d'une famille entière qui a basculé. Et merci à elle. Merci à elle de ce message. Et elle sait combien leur place dans mon cœur est et que. Tout à l'heure, tu vois, je parle de personnes qui sont déclencheurs, qui font de nous les thérapeutes qu'on est. Et ben voilà, ce témoignage en est vraiment la source claire. Elle a été ce lien. Alors moi, j'allais te parler d'un passage qui est à la page 184, La jeune fille en détresse. Voilà. Oui. Oui, c'est super. Qui m'a beaucoup parlé, hein, qui a beaucoup fait sens et Par résonance rapport à aussi. quoi? Eh bien, si tu veux, l'aspect d'arriver à mettre tout ces synchronicités bout à bout, que tout se regroupe comme ça. Bien sûr, bien sûr, Voilà. bien sûr. Cette jeune fille, c'est une jeune fille qui avait une médiumnité tellement forte que c'était envahissant. Oui, c'était Parce que trop parfois, la médiumnité peut être envahissante quand elle est mal maîtrisée et quand on n'est Mais pas. c'est ça, c'est la façon en fait dont tu as interagi avec elle, dont c'est arrivé en fait, dont tu vois, dont il y a eu cette rencontre et tout ces petits couacs et tout ça. Bon, on va pas trop développer pour laisser Non, un petit bien peu de sûr. suspense, mais Toujours. non, je vous dirai pas tout. Mais effectivement, c'est un passage qui j'ai trouvé avec beaucoup de rebondissements, où on sentait vraiment ton côté empathique et enveloppant. Hein, parce que dans ta médiumnité, tu es juste dans le sens où tu vas dire les choses, parfois, des fois un petit peu pour secouer, hein, Bien sûr, pour il chambouler, faut qu'il y ait des mais il êtres y a humains qui ressortent. toujours ce côté chez toi qui est très enveloppant, en fait, très J'essaye, cocoonisant. j'essaye, j'essaye, j'essaye d'avoir cette bienveillance. Alors après, je peux avoir des loupés et en général, quand j'ai un loupé, je fais tout en tout cas pour m'en excuser et être dans le mea culpa. Voilà. Je ne suis pas parfait, je suis un être humain, hein. On est humain, on a aussi nos émotions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que parfois on peut avoir des loupés, on peut faire mal sans le vouloir. À ce moment-là, on se reprend. Mais oui, j'essaie. Alors oui, je vais être quelqu'un, j'aime secouer un peu les gens, j'aime. Voilà, je suis quelqu'un qui va. Mais j'essaie d'être juste. Voilà, j'essaie d'être juste et j'essaie d'y mettre des formes. Et puis, une petite dose d'humour aussi. Voilà. Oui, Important. mais oui, parce que c'est très important. Il faut quand même pas oublier que dans ce livre, il n'y a pas que de la tristesse, de la sensibilité, de Non, l'émotionnel. mais Il y a non. des moments aussi de rire, de joie, des choses qui sont vraiment. Ce livre a du peps. Ce livre vit en fait. Donc comme la vie, il va
aborder tout l'émotionnel et le sentimental avec tous les rebondissements que vous pouvez avoir dans votre vie, en fait. Donc, c'est ça qui est le plus intéressant, en fait. Et puis, il ne faut pas oublier que l'au-delà, ils ont aussi de l'humour. Les guides ont de l'humour. Les défunts ont aussi de l'humour. Ils gardent leur énergie. Ils gardent ce qu'ils sont. Moi, je me souviens d'un truc qui m'avait beaucoup amusé. Où un monsieur, on l'a déjà fait quelques fois, Lisa en a parlé tout à l'heure, mais un monsieur qui vient communiquer avec sa femme, puis qui me dit « Oh, quand même, ça coupe, ça la vieille. » Et alors, bien sûr, je ne l'enveloppe pas. Je n'ai pas dit « Bon, bah, votre mari trouve que votre nouvelle couple vous vieillit. » J'ai dit « Bon, bah voilà, il aimait, mais ça, ils ont de l'humour. » Mais oui. Ils ont de l'humour. J'ai déjà eu aussi… quelqu'un qui m'a déjà dit oh là là, mais dépêche-toi, puis où tu comprends pas ce que je te dis. Des fois, on comprend pas toujours le mode de communication qu'ils veulent nous donner ou ce qu'ils veulent nous transmettre. Et j'ai déjà eu un défunt qui était très impatient dans sa nature, qui me dit excusez-moi, mais il m'a dit comme ça, il me dit, mais t'es con ou quoi? Allez, vas-y là. Et je dis à la personne, je dis, mais je suis en train de me faire engueuler, il dit que je suis con, il me demande si je suis con ou quoi. Il dit, ça c'était son expression, et c'est un signe de reconnaissance, mais oui. Ils ont de l'humour. Et ils ont l'humour, ils gardent l'humour. Et c'est incroyable. Moi, je trouve ça magique quand on a des connexions comme ça où il y a des preuves d'humour. Mais c'est ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper dynamique. Et ça, c'est ça aussi qui fait qu'une médiumité en salle peut être très intéressante parce justement, capter ces choses-là, c'est… ça met une forme de fluidité, puis ça met surtout les gens à l'aise. Hein. C'est moins protocolaire, c'est plus familial, c'est plus convivial. Et c'est vraiment ce que sont les défunts. Les défunts sont une famille que l'on ne peut pas voir, qui sont dans l'invisible, c'est une famille. L'oncle qui nous faisait rire tout le temps n'arrêtera pas en venant, et il continuera. Il faut savoir qu'eux, ils sont dans la plupart du temps, ils sont dans un amour, ménage. Ils sont dans un bien-être, ils sont dans une béatitude. Donc, c'est cool, quoi. Ah, mais c'est cool. Voilà. Et donc, bon, on a aussi donc, dans le septième chapitre, hein, les expériences marquantes, hein, où tu vas justement aborder beaucoup d'expériences qui ont été marquantes. Une partie 4 où tu parles de l'effet miroir, et après une jolie partie 5 où tu vas émettre un bilan, hein, vraiment. Donc, vraiment pour dire… aux gens que « et puis un jour j'ai enfin compris » est quand même une biographie dynamique, hein, et pas linéaire, avec beaucoup de chapitres, avec beaucoup de thèmes abordés, et qui vont vraiment pouvoir vous accompagner, et vous allez vous retrouver justement dans chaque partie, hein, dans la partie apprentissage, dans la partie effet miroir, dans la partie bilan. Ce qui est important, c'est que vous pouvez très bien vous projeter avec l'auteur, et ça, des fois, dans certains… dans certains ouvrages, beaucoup ont du mal à se projeter, hein, avec l'auteur, hein, dans sa manière d'écrire et tout ça. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est que n'oubliez pas que dans cet ouvrage, vous pouvez facilement vous projeter avec l'auteur, hein, c'est comme s'il vous prenait par la main et qu'il allait vous amener petit à petit dans tous ces mondes, hein, et qu'il allait vous faire découvrir tout ça. Donc ça a été formidablement bien écrit, justement, Nicolas. Et alors justement, j'aimerais beaucoup que tu nous redonnes ton site internet, que je puisse le remettre pour justement les personnes qui veulent commander ton livre. Alors justement, il est en vente sur le site internet, mais il y a un petit problème avec la boutique en ligne en ce moment. Donc, je vais quand même vous donner le site internet, mais pour avoir plus facilement, j'invite les gens, soit à m'envoyer directement sur Messenger un message. Donc, d'accord. Vous tapez mon Facebook, c'est Lumière de vie Nicolas Touvenot officiel, puisqu'il y en a un ancien qui avait été piraté, donc précisez bien le officiel. Contactez-moi sur Messenger pour que les personnes qui souhaitent acheter le livre, et je vous donne la démarche à effectuer ensuite. Et sinon, directement sur mon numéro professionnel, qui est le 06 12 21 08 65. Désolé, je le connais depuis 3 semaines. Ça fait 5 ans que je l'ai, mais je le connais depuis 3 semaines. Donc, c'est pas mal. Ouais, j'ai mis le temps. Vous voyez, comme quoi, en tant que médium, on peut aussi avoir du mal sur certaines choses. Et voilà, sinon, en tout cas, on peut te contacter. Là, je suis en train de remettre tes coordonnées par rapport à ton Facebook. Exactement.
Voilà, donc au moins comme ça, on pourra te contacter par Messenger. Sinon, voilà, vous pouvez le retrouver en dépôt dans plusieurs librairies, peut-être. Alors, c'est en train d'arriver bientôt, ça se fait de plus en plus. Pour les Toulousains, vous pouvez la trouver à la boutique Axel Ange, qui est rue Matabiau. Alors, boutique, Voilà. non, librairie, je me reprends. Librairie ésotérique Axel Ange, l'heure bleue, rue Matabiau, 31 rue Matabiau, à Toulouse. Vous pouvez aussi le retrouver dans le centre du bien-être de Cathiaré, qui est à la Tour du Crieu. Et après, ben, vous pouvez demander à vos libraires, hein, de le commander. Il n'y a aucun problème. Sinon, passez directement par moi et ça me fera un immense plaisir de vous l'envoyer. Et C'est ça. n'hésitez Avec, pas à me laisser. alors n'oubliez pas que quand même, hein, si vous le commandez directement à Nicolas, Nicolas, bah voilà, vous le dédicace, hein. Avec plaisir, avec un grand Voilà, plaisir. il vous mettra plein d'amour dedans. Donc, il est aussi intéressant J'espère. de passer par l'auteur pour avoir aussi sa petite dédicace, ou alors à ce moment-là de commander le livre et de vous déplacer lors des événements donc qui apparaissent sur le site de Nicolas pour le faire dédicacer et bien sûr pour aller à sa rencontre, échanger et voilà prendre contact avec lui. Ce livre étant donc future la réédition hein, et donc la Oui. préface a un petit peu changé. Dis-nous pourquoi. Oui, il y a une préface qui a changé. En fait, c'est un petit bonus, c'est une petite surprise. Alors, qui a été, j'en ai eu quelques-uns que j'ai pu mettre en vente exceptionnellement au congrès de Sources de Vie il y a 15 jours maintenant, presque, le temps passe vite. Parce qu'en fait, j'ai eu l'immense honneur que Christelle Dubois accepte de me faire une préface. Enfin, accepte, c'est même pas comme ça vraiment que ça s'est passé. J'ai eu la chance de rencontrer Christelle Dubois. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une des plus grandes médiums de notre pays, qui a participé notamment au livre Le Test de Stéphane Alix, qui est un livre que je vous recommande très, très, très chaleureusement. Et en fait, en rentrant à Source de Vie, j'ai fait mes armes à côté d'elle et elle a eu la gentillesse de me prendre sous son aile et ben, de me présenter aux yeux de tous comme étant son filleul de la médiumnité. Donc voilà, ça a été un immense honneur pour moi. Et quand mon imprimeur l'a vu, m'a dit, mais pourquoi vous ne demandez pas à Christelle de faire une préface? J'en ai parlé un petit peu avec le président de Source de Vie parce que je me sentais un peu gêné. Et puis c'est une de mes pairs, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration, que ce soit Christelle Dubois, que ce soit Florence Hubert, Henri Vigneault. Voilà, c'est des personnes auprès de qui j'ai eu la chance d'être et des personnes pour qui j'ai une admiration sans borne, de belles personnes, de très très bons médiums, de qui j'espère apprendre encore et me permettre d'être encore meilleur. En tout cas, c'est très essentiel pour moi. Et du coup, ben, le président en a parlé à Christelle qui immédiatement m'a dit, mais oui, bien sûr, c'était une évidence. Et ben voilà, donc encore C'est l'occasion ça. de la remercier et de lui envoyer tout mon amour parce que c'est un cadeau incroyable qu'elle m'a fait, vraiment, vraiment. C'est génial. Énorme. Donc écoutez, hein, la réédition, petit bonus, hein, Bientôt, bientôt, bientôt. ça va être top. Mais oui, ça va être très très vite. Hein, il va Oui, passer le dans les temps. best-sellers, moi j'y crois. On se le souhaite, malgré un long problème, beaucoup l'ont demandé. J'ai eu énormément, énormément de difficultés avec. J'ai eu énormément de difficultés avec pouvoir le faire enregistrer pour que les libraires puissent le commander. Mais maintenant, c'est bon, on peut le commander. Et ne nous fais pas Amazon, il n'est pas en rupture, j'en ai encore. Voilà. Et voilà, en tout cas, C'est formidable. c'est extraordinaire. Et puis, bah, n'hésitez pas, quand vous l'avez en main, quand vous le lisez, n'hésitez pas à me recontacter, à me poser des questions, à me donner votre avis. J'adore, Il j'adore est ça. toujours important pour l'auteur, hein, d'avoir un retour sur Mais son toujours, ouvrage, c'est quel essentiel. qu'il soit. Donc, peu importe l'ouvrage que vous allez consulter, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à ces auteurs qui ont besoin véritablement de votre soutien. Hein, surtout le nombre d'auteurs qui est en auto-édition, on a besoin de votre soutien. On a besoin que vous transmettiez les ouvrages qui vous ont parlé. Surtout, c'est intéressant. Hein, on est dans un monde où la transmission est vraiment intéressante. Donc, si cet ouvrage, vous l'avez lu et qu'il vous a parlé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le transmettre pour que ça puisse aussi aider et accompagner une autre personne autour de vous.
Il est fait pour ça, n'hésitez pas à le prêter, c'est n'hésitez ça. Pas à l'offrir, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. S'il peut avoir résonance dans d'autres personnes, s'il peut se connecter à d'autres personnes, c'est dans le sens dans lequel il a été écrit en tout cas, vraiment. Mais en tout cas, Nicolas, moi j'ai passé une formidable émission. D'ailleurs, mais beaucoup aussi, de personnes ont donné des retours absolument magiques où ils ont passé vraiment. J'en vois énormément, je vois. Voilà. Jeanne Matari, je vois Fatima Tari, je vois Dorian, je vois. Mais c'est ça. Ils savent en plus combien je les aime et qu'ils sont importants. C'est des familles de cœur, c'est des personnes qui font partie de ma famille de cœur, Katia Ray aussi. Merci à eux d'avoir. Puis merci à toi. Merci à toi, cette magnifique synchronicité qui t'a mis sur mon chemin. Merci à toi pour cette belle personne que tu es, dans toute ta simplicité, dans tout ton amour. Et puis, je le dis parce que je suis quand même un grand fan de ton oracle. J'en parle souvent. Voilà, tu peux être aussi très, très fière de ce que tu as mis en place. Tu peux être fière de cette personne que tu es. Et je le fais, même s'il est un peu tôt, je leur ferai plus intimement. Mais en tout cas, sachez que demain sera la belle journée à cette jolie femme que vous avez devant vous, puisque ce sera son anniversaire. Et que quoi qu'il arrive, rien ne change. Et plus les années passent, plus elle est lumineuse et plus elle apporte aux gens. Et un grand bravo, un grand merci à toi. Merci. Et un merci à vous tous. Voilà, tous ceux qui ont été là, de vos questions, de vos témoignages me concernant. Merci à vous tous. Vraiment, ça me touche énormément. Ben merci en tout cas pour cette belle énergie que tu nous as donnée ce soir et cette belle transmission. Merci pour cet ouvrage. N'hésitez pas, en tout cas, vous pouvez retrouver l'émission en replay sur YouTube, sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à la partager à des amis qui n'ont pas pu profiter, en tout cas, de cette émission avec nous. Voilà, de toute façon, on reviendra certainement avec Nicolas pour d'autres émissions. Voilà, aborder d'autres thèmes. On évoquera plein de thèmes, vous allez voir. Une fois qu'on est lancé, plein de choses. C'est ça, on ne s'arrête pas. Et donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée à tout le monde, et puis au plaisir de se revoir. Et merci infiniment d'avoir été avec nous, en tout cas merci ce d'avoir soir. Merci d'avoir créé cet événement. Merci à vous tous. Très bonne soirée à vous.